Salut les petits loups, comme promis, un petit hommage à Michael Jackson aujourd'hui. Par contre, je tenais à m'excuser qu'il arrive si tard, mais bon, comme vous le savez, j'ai beaucoup de travail. Par contre, il faudra faire attention dans le cours. À un moment donné, je dis au niveau du djembé, enfin là, ce sera sur une guitare. Je dis voilà, en fait, je confonds deux mots. Au lieu de dire derrière, je dis devant. Donc, mais vous allez comprendre très très facilement, hormis cette petite erreur dans la phrase. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, dans un premier temps, je vous conseille de travailler comme ceci. Pour les coups que vous allez jouer devant, vous allez jouer avec cette partie-là, c'est-à-dire vous allez gonfler ici pour bien taper avec les os ici, comme ceci, pour avoir un son très grave. Ensuite, au bord du djembé ou de la guitare, mais si c'est un djembé, il faut que la peau soit bien tendue, ou une darbuka, sinon le son ça va pas le faire. Au bord, vous tapez avec le bout des doigts pour avoir un son plus aigu. Derrière, avec les os ici, et devant, avec le bout des doigts. Vous avez vu, on a un son grave ici et aigu ici, comme ceci. Donc dans un premier temps, vous faites ceci, regardez. Mais évidemment, le groove de cette chanson, la loupe de batterie de cette chanson, il n'y a pas que ça. Dans cette loupe de batterie, il y a aussi ce mouvement que je vous montre maintenant. Je tape devant avec la paume, avec les os, je fais un glissement. Une fois au bord, je tape avec le bout des doigts. Je reglisse dans l'autre sens. Je retape avec les os. Et je reviens ici, au bord, avec le bout des doigts. Je pousse. Alors ça, sincèrement, travaillez-le très 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 doucement. Et surtout ne partez pas à faire comme ma petite fille avec ce geste, c'est-à-dire en vague, hein, comme ça. Non, il y a vraiment comme un micro-temps d'arrêt entre le moment où je tape et le moment où je glisse. Ça fait pas comme ceci. Ça fait je tape, ensuite je glisse, ensuite je tape, ensuite je glisse, ensuite je tape, ensuite je glisse. Comme ceci. Avec les os, comme je vous ai montré tout à l'heure, au bout. Ensuite, pour avoir un son bien grave. Je reviens ici pour avoir un son aigu. Le bout des doigts. Sur une table, ça marche très très bien. Aussi. Je pousse. Je reviens. Marquez bien un petit temps d'arrêt avant de repartir. Petit temps d'arrêt avant de repartir. Etc, etc. Donc voilà, j'espère que mon grain de voix dans la basse de la chanson n'a pas posé trop de problèmes, mais c'est pas évident de taper et de chanter en même temps. Donc surtout travaillez très lentement, très 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 lentement au départ, comme toujours. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu, et surtout continuez à laisser vos progrès sur
sur les commentaires sur YouTube. D'ailleurs, plutôt que de me les envoyer dans ma boîte mail, comme ça, je n'ai pas à les retransférer après. Mais plus je recevrai de vidéos de vous, et plus ça va m'encourager, moi, à vous faire des cours. N'oubliez pas que ces cours sont totalement gratuits. Je puise la force dans ce que vous faites. Donc, si je ne reçois pas de travail dans les commentaires YouTube, etc., si je ne reçois pas d'avis, forcément, je suis moins motivé. C'est tout à fait normal. Donc, j'espère que ce cours, cet hommage à Michael Jackson rencontrera un franc succès. Et puis, pour le prochain cours, je vais faire participer une élève à moi. Vous allez voir, pour un truc tout à fait édifiant. À très vite.